Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis extrêmement touchée de faire cette entrevue avec une femme que j'admire énormément, que j'ai lue, parce que c'est en tout une auteure, mais aussi une psychothérapeute clinicienne qui est basée à Bruxelles et je vous la présente. Elle s'appelle Isabelle Tillemante. Alors, bonjour Isabelle. Bonjour Catherine Emmanuel. Je suis, comme je vous le disais, très touchée de réaliser cette entrevue avec vous. Ça fait quelques semaines qu'on discute par courriel et vous m'avez proposé de faire cette entrevue en lien avec la fête des mères qui sera demain. Donc, je diffuserai l'entrevue dans le fond pour souligner ce passage qui peut être difficile pour beaucoup de femmes sans enfants. Alors, oui, donc je suis extrêmement touchée et intéressée de vous entendre nous parler de ce deuil-là qui est, à mon avis, extrêmement réactivé pour les femmes qui n'ont pas d'enfants. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler est-ce que vous avez constaté dans votre pratique que cette journée est particulièrement douloureuse pour les femmes sans enfants? C'est absolument éprouvant pour les femmes qui n'ont pas d'enfant et qui désirent un enfant. Pour les femmes qui n'ont pas d'enfant alors que c'est leur choix, c'est une autre histoire. Mais pour les femmes qui sont dans la souffrance de ne pas avoir d'enfant, c'est absolument épouvantable, non seulement la journée, mais toutes les semaines qui précèdent, le fait qu'on en parle en permanence, le fait d'être en permanence confrontée à, par exemple, une fleur qui est offerte au magasin. Si chaque femme qui va dire bonne fête à une autre sans savoir si elle a d'enfant, comme s'il était évident qu'elle en avait. Et donc, c'est absolument éprouvant. Et c'est pour ça, effectivement, que je vous ai proposé de le faire pour ce week-end-ci, puisque j'ai vu que c'était la même date en Belgique et au Québec. Oui, absolument. Et donc, Oui, allez-y, allez-y. ce deuil est un deuil qui est tout à fait méconnu encore. Oui. Le deuil de ne pas avoir d'enfant. C'est un deuil qui est encore méconnu. Alors, on va reconnaître le deuil et la souffrance de la femme qui ne parvient pas à avoir d'enfant. Mais c'est comme si en même temps, personne ne peut imaginer à quel point c'est quelque chose qui est crucifiant, à quel point c'est absolument pénible, plus que pénible. C'est un tsunami intérieur et ce tsunami intérieur est réactivé à différentes périodes de la vie. Mais pour la femme qui désire un enfant et qui n'en a pas, c'est en permanence. Parce que dès qu'elle rencontre une femme dans la rue qui a des enfants, dès qu'elle rencontre une femme qui est enceinte, dès qu'elle voit une émission à la télévision, un film, c'est en permanence, en permanence, en permanence. Et donc c'est une absence qui est en permanente présence réactivée. Absolument. Ce que vous dites résonne très fort en moi parce que je crois que c'est principalement la difficulté de ce deuil-là, c'est qu'il est constamment réactivé par tout ce qui nous entoure, par toutes les personnes que nous rencontrons, même dans notre milieu de travail, il peut être constamment réactivé. Si on travaille, par exemple, pour moi, avec des enfants, ou je sais qu'il y en a, au service des parents qui ont des enfants, ça peut être aussi une difficulté supplémentaire. Est-ce que vous avez l'impression que les médias sociaux contribuent à accentuer ce décalage-là que les femmes vivent au moment de la fête des mères, contribuent à accentuer cette douleur-là chez les femmes sans enfants? Je vous dirais qu'en réalité, la fête des mères vient réactiver la douleur chez la plupart des femmes, celles qui sont mères y compris. Parce qu'en fait, il y a certaines femmes qui peuvent sentir vraiment le bonheur d'être mère et d'être fêtées en tant que mère par leur enfant, par leur conjoint. Mais il y a aussi toutes les femmes qui sont mères et qui ne reçoivent pas l'amour qu'elles voudraient recevoir en ce jour. Et c'est important de savoir qu'en réalité, le jour de la fête des mères, comme le jour de la fête de Noël d'ailleurs, ce sont des journées absolument épouvantables pour la plupart des femmes, des personnes, avec ou sans enfants. Alors, pour les femmes qui n'ont pas d'enfants et qui en souffrent, cet engouement des médias est effectivement crucifiant, crucifiant. J'utilise ce mot parce que c'est quelque chose qui vient les blesser au cœur de leur cœur. Et ce deuil-là est en réalité ce que j'appelle une forme de deuil impossible,
pas qu'il ne puisse pas se réaliser, mais dans le sens où il est sans cesse réactivé. Et le deuil, en réalité, est une façon de reprendre contact avec soi, de façon à revisiter encore et encore ce qui est touché dans ce deuil. Alors, il faut savoir que le deuil, quand on dit faire son deuil, il y a quelque chose d'un peu absurde dans faire son deuil, élaborer son deuil, transformer son deuil, oui. Faire son deuil, c'est assez impossible, comme je vous le disais. Par contre, il faut savoir que ce deuil-là, vient, c'est un peu, j'utilise toujours l'image des vagues, ce sont des vagues qui traversent la femme. Et les vagues peuvent être plus douces ou plus éprouvantes, plus un mouvement qui peut les amener dans un abîme sans fond. Et cet abîme sans fond peut être traversé au moment de la prise de conscience que la femme n'aura pas d'enfant, ou au moment où elle se dit que peut-être elle n'aura pas d'enfant, ou au moment où elle n'a pas d'enfant. C'est quelque chose qui est toujours personnel. Donc, il n'y a pas deux deuils les mêmes. C'est toujours différent pour une femme, pour une autre. Et ces vagues-là, au moment où vous vous retrouvez dans le creux de la vague, emporté dans les fonds sous-marins, c'est important d'accepter que c'est absolument insupportable. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir juste être là, être traversé par ce deuil et d'accepter de le vivre pleinement. D'ailleurs, il n'y a pas moyen de ne pas le vivre. C'est quelque chose qui est imposé. Et comme c'est imposé, c'est important de l'accueillir. De l'accueillir en sachant que peut-être, probablement, ça va passer par des sanglots. Des sanglots terribles. Accepter d'être traversé par ces sanglots. Accepter d'être traversé par une douleur. C'est en réalité, ce deuil-là, c'est le deuil à l'état pur, à l'état brut. Et donc, à l'état brut, dans le sens de quelque chose qui est absolument indescriptible, indicible. C'est un deuil aussi à l'état pur, c'est une souffrance à l'état pur. Et dans cette souffrance à l'état pur, ça demande en réalité une force intérieure énorme pour pouvoir accueillir et traverser cette souffrance à l'état pur. C'est comme si dans ce deuil-là, c'est une façon de rejoindre la souffrance de tout être sur la terre. Alors, au moment où la femme est en train de traverser sa propre douleur, il lui est impossible de se relier à la souffrance des autres, parce qu'elle est profondément seule dans ce deuil. Et c'est important d'accepter cette solitude à ce moment-là. C'est important aussi de savoir que dans cette solitude, il y a un besoin d'être relié. Et que ne pas être relié, c'est une autre souffrance. Le fait de ne pas se sentir comprise, de ne pas se sentir comprise par l'entourage, le fait de ne pas vouloir en même temps faire peser cette souffrance sur les autres et en même temps d'avoir tellement besoin d'être comprise, d'être prise dans les bras. Et c'est important dans le deuil, pour soi-même, de pouvoir se prendre dans les bras, de pouvoir s'entourer d'une couverture, s'entourer d'un édredon, se plonger dans l'oreiller, de pouvoir s'entourer soi-même, mais progressivement de pouvoir aussi demander d'être entouré par d'autres, par son conjoint si on est en couple, par de la famille proche, par des amis proches, de pouvoir être dans ce contact, d'être entouré de chats, si vous en avez, être dans ce lien-là, et de savoir que ces vagues, au moment même, au moment où c'est le plus brutal, il est impossible de pouvoir penser à autre chose, de pouvoir penser que ça ira mieux à un moment. Ça ira mieux. Ça ira mieux. Il faut le savoir. Mais pour ça, il faut avoir cette force. Et pour ça, les femmes qui traversent ce deuil-là, de ne pas pouvoir avoir d'enfant, sont amenées à être en contact avec leur propre force intérieure qu'elles ne soupçonnaient pas, qu'elles sont amenées à rencontrer, vraiment. Et dans le deuil, il ne s'agit pas uniquement de renoncer
à l'enfant qui ne viendra pas. Il ne s'agit pas uniquement de supporter l'absence de cet enfant, mais il s'agit de transformer cette absence et de transformer cette présence. Parce qu'en réalité, pour une femme qui a ce désir d'enfant, ce projet d'enfant qui ne pourra pas aboutir, cet enfant va l'accompagner toute sa vie. Alors, il y aura des périodes qui seront plus douces, il y a des périodes où ce deuil va être réactivé avec une extrême violence, comme la fête des mères, comme la fête de Noël. Mais c'est important de savoir aussi qu'il y aura des périodes plus douces et de savoir aussi, alors c'est suivant la période de vie, ce que je vais dire maintenant sera impossible à entendre ou pourra être entendu déjà. Mais j'en parle de toute façon pour que les femmes puissent savoir que c'est quelque chose qui va arriver. Mais que ce deuil-là les transforme profondément à l'intérieur. Elles ne seront plus jamais qui elles étaient quand elles étaient dans l'insouciance de penser qu'elles auraient un enfant. Et qui elles seront n'aurait pas pu être si elles n'avaient pas vécu cette épreuve de vie. Alors, au moment de cette douleur, je vois votre visage, au moment de cette douleur, les femmes vont dire « mais je donnerais tout pour ne pas vivre ça ». Et effectivement, il s'agit d'une profonde injustice. C'est vécu comme une injustice. Mmh. C'est une injustice. Alors, c'est important d'accepter de traverser cette injustice, la vague de l'injustice. Au moment où il y a ce vécu-là, cette douleur-là, cette colère-là, cette sensation d'injustice, juste d'accueillir. Accueillir. Accueillir, accompagner, transformer. Et progressivement, quelque chose d'autre va émerger à l'intérieur de soi. Des plages de douceur, des plages de tendresse. Le fait aussi de percevoir que dans ce deuil-là, ce qui émerge, c'est l'essentiel. L'essentiel de vos valeurs, l'essentiel de ce à quoi vous aspirez. Ça peut être dans le fait de retrouver justement la pleine valeur de ce qui fait la vie, la nature. Bien sûr, la nature, les relations humaines, les relations vraies, authentiques, chaleureuses. Et le fait de pouvoir oser être soi, vous voyez, le fait de traverser ce deuil-là en soi permet de développer une capacité d'être totalement vrai avec soi-même. La capacité d'être totalement vrai avec soi-même permet de développer la capacité d'être totalement vrai avec l'autre. D'être entièrement en présence avec l'autre. Mais pour être entièrement en présence avec l'autre, il a été nécessaire de pouvoir traverser sa propre douleur en étant entièrement avec soi. Il y a, beaucoup d'informations, beaucoup de pistes de réflexion. Merci beaucoup pour ces explications et ce témoignage qui est vraiment très précis sur ce à quoi vous assistez dans les rencontres que vous vivez avec les femmes sans enfants. Moi, je constate que souvent, les femmes restent coincées entre l'étape de « ben, je crois que j'ai fait le deuil ». Mais là, je cherche comment arriver à me transformer. Quelle va être la suite de ma vie? C'est cette parcelle-là de la transition qui, à mon avis, est extrêmement difficile. Moi, si je puis témoigner là-dessus, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de faire un rituel de passage. Donc, pour vraiment marquer le fait que ben, je laissais aller le rêve d'être mère, pour ouvrir vers d'autres choses, quelque chose qui est possible pour le reste de ma vie. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez aux femmes que vous suivez? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui peut aider à transformer ou à activer, dans le fond, le deuil, en fait, le passage vers lequel ces femmes-là aspirent, parce qu'elles aspirent à une transformation. Je pense qu'elles aspirent à trouver une suite, mais cette suite-là, c'est extrêmement difficile à trouver. Oui,
Oui, vous expliquez ça vraiment très très bien, effectivement. Vous parlez bien de votre expérience. Ce rituel dont vous parlez, vous pouvez me l'expliquer ou bien ça Absolument. n'est pas le lieu maintenant? Oui, tout à fait. Je peux vous expliquer brièvement, mais j'aimerais préciser pour les femmes qui écoutent que un rituel, c'est quelque chose de très personnel. Donc, moi, j'ai fait des choix par rapport à mon rituel qui sont extrêmement, qui me touchent moins et qui résonnent, qui sont en lien avec mes valeurs. Et brièvement, j'ai choisi de planter un arbre dans un parc de ma ville, un endroit que j'aime beaucoup, où j'aime marcher. J'adore la nature, c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit. J'ai choisi un érable parce que c'est une essence d'arbre du Québec, un arbre très fort qui vit longtemps. L'arbre symbolise pour moi un peu l'enfant que je n'aurai pas, que je pourrais aller voir grandir, dans le fond, et que ma famille peut visiter aussi. Donc, je voulais un endroit public pour que les gens qui me connaissent puissent dire, ah, mais passe dans le parc et disent, c'est l'arbre de Catherine Emmanuel. Donc, j'ai planté un arbre avec ma famille. J'ai lu les raisons pourquoi je voulais être mère, que j'avais écrite sur un papier. J'ai disposé ce papier sous les racines de l'arbre et on a planté l'arbre ensemble. Donc, c'est un rituel très parlant pour moi. Est-ce que c'est quelque chose que vous suggérez ou que vous avez déjà vu, parmi vos patientes? C'est magnifique, c'est magnifique. Hein, votre Merci. expérience est superbe. Alors, comme je vous le disais, ce deuil-là est toujours extrêmement personnel, et donc pour chaque femme, ce sera quelque chose de différent qui va se passer. Alors, le fait de pouvoir, par exemple, écrire une lettre à cet enfant qui ne viendra pas, ou cet enfant qui est parti. S'il y a eu décès de l'enfant ou s'il y a eu fausse couche. En sachant, je fais ici je prends un petit peu de temps pour parler justement de l'importance du deuil. Et souvent des personnes essayent un peu de quantifier la grandeur du deuil, comme s'il y avait des deuils plus importants que d'autres. Et là, moi, je répondrais que un deuil, c'est un deuil. Et donc, il n'y a pas à quantifier ce qui serait un deuil plus important, plus grave qu'un autre. Ce qui vient marquer le deuil, l'intensité du deuil, c'est l'intensité de l'investissement qui avait été mis. Donc, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais qui avaient une forte ambivalence. Et donc, qui vont pouvoir vivre le fait de ne pas avoir d'enfants avec une douleur, mais plus facilement. 30, 30, 30, 30, 30, comment on dit, dépassable. Alors que pour une femme qui avait investi cet enfant qui existait déjà pour elle, ce deuil-là est d'une intensité qu'elle n'ait pas été enceinte, qu'elle n'ait jamais été enceinte, qu'elle était enceinte et qu'elle ait perdu son enfant très très vite ou plus tard, c'est l'intensité de l'investissement qu'elle avait mis. Alors, j'hésite parce que je voudrais dire plusieurs choses. Je vais revenir au deuil, au rituel de deuil. Donc le fait d'écrire à cet enfant qui n'est pas venu, cet enfant qui est peut-être venu parti, de lui écrire une lettre d'amour. Parce qu'en réalité, c'est un chagrin d'amour. Il y a toutes sortes de chagrins d'amour. Et pour une femme qui a toujours désiré avoir un enfant, dans le désir d'enfant, il y a le désir d'être aimé, mais il y a aussi le désir d'aimer. Et c'est quelque chose qui est encore assez méconnu. C'est quelque chose que je n'ai pas suffisamment développé dans mes deux ouvrages, que je développerai par la suite. C'est le besoin d'aimer. Qu'en réalité, tout enfant qui vient au monde arrive avec un potentiel d'amour et il a besoin de pouvoir rencontrer des personnes à qui donner cet amour, des personnes qui recevront cet amour. Et le fait de désirer un enfant, c'est ce désir-là, de pouvoir donner cet amour-là, de le recevoir aussi dans cet échange, et puis le fait d'accompagner cet enfant dans son développement, participer à tout ce qu'il va
vivre dans sa vie. Et donc la femme qui n'a pas d'enfant est privée de tout ça. Elle est privée et elle sent comme un trou dans son cœur. Elle sent un trou dans son cœur, elle sent un trou dans sa vie. Alors elle a besoin de pouvoir penser ce trou-là, dans son cœur, dans sa vie, et penser, et donc au cœur de sa douleur la plus grande, qui pourra revenir parfois à différents moments de sa vie. En général, ça s'apaise. Les vagues sont de moins en moins intenses et de moins en moins longues. Mais il y a besoin de pouvoir panser ses plaies, un peu comme un chien qui va s'isoler pour lécher ses plaies. Et puis, il y a le besoin d'être entouré. Donc, au niveau des rituels, je reviens à votre question, le fait donc d'écrire à cet enfant, d'écrire tout son amour pour lui, tout ce que la femme aurait voulu lui offrir à cet enfant, tout ce qu'elle avait rêvé avec lui, autour de lui, pour lui, de pouvoir écrire aussi toute sa douleur. Et à partir de là, vous avez écrit cette lettre, vous l'avez plantée au pied de votre arbre. Alors, là, il peut y avoir différentes choses. Il peut y avoir le fait de brûler cette lettre. Il peut y avoir le fait de l'enterrer. Il peut y avoir le fait de la déposer dans la rivière. Déposer dans la rivière, c'est un peu l'idée de savoir que dans cette douleur intense, c'est comme si c'était en soi transformer son chagrin en rivière. Donc, pouvoir être chagrin, pouvoir être larme, pouvoir se transformer en rivière dans son chagrin. Dans le feu, là, c'est l'idée de la purification, de pouvoir transformer le chagrin, mais dans quelque chose qui va quitter la notion de la terre, donc de la vie qui aurait pu être vécue avec l'enfant, dans quelque chose qui est transcendé à travers le feu, c'est-à-dire la flamme de la bougie. Et en parlant de flamme de la bougie, je vais parler d'un autre rituel auquel j'ai pensé très très récemment. Je ne sais pas si vous connaissez la danse sacrée. Non. La danse sacrée, c'est quelque chose qui est encore très peu développé. Je ne sais pas si ça se fait au Québec, au Canada. En Belgique, c'est encore très très peu développé. Mais c'est une danse qui est répétitif, c'est un peu comme une méditation dansante. Et dans cette méditation dansante, danser, il y a là une forme de reliance. Ça se danse en cercle. Donc il y a une reliance avec les autres et en même temps quelque chose d'une transcendance dans la spiritualité. Alors la spiritualité, peu importe la définition, je différencie la spiritualité de la religion. C'est ce qui est vécu au niveau de l'âme. Et dans cette danse sacrée, il y en a une qui est magnifique, elles sont toutes magnifiques, mais il y en a une qui serait magnifique pour faire ce rituel, et je me suis dit que ça c'est peut-être quelque chose que j'utiliserais avec les femmes qui sont dans ce deuil. C'est une danse qui se fait où chaque femme, je ne sais pas si vous voyez ma main, chaque femme a une, enfin chaque femme ou chaque homme, ça c'est aussi bien les femmes que les hommes peuvent faire cette danse, dans sa main gauche a une bougie, un peu, je vais prendre, oups, j'en ai justement une là, voilà. Chaque femme... On voit pas votre main, juste la lever. Oui, un petit peu plus haut. Oui. Et de l'autre main, il y a le fait de mettre sa main sur l'épaule et puis dans le dos, à l'endroit du cœur de la personne devant soi, avec certains pas sur une musique qui est magnifique. Et là, dans ce rituel, il y a l'idée, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être utilisé donc avec les femmes, qui sont dans cette souffrance, et ça pourrait être une femme qui est entourée de sa famille, et quand je dis sa famille, c'est sa famille de cœur, qui peut être sa famille biologique, mais ça peut être sa famille, ses amis, les plus proches, les personnes qui comprennent la douleur. C'est pour ça, je dirais la famille qui comprend cette douleur-là, et de pouvoir être entourée. Et dans cette danse, à ce moment-là, il y aurait... le fait d'être à la fois relié aux autres, à la fois cette flamme de la bougie dans cette transcendance de cette vie, parce que cet enfant qui ne vient pas, qui n'est pas venu ou qui est parti, en réalité, cette absence est présence, comme je vous le disais. Et cette présence-là est en réalité quelque chose qui accompagne la femme toute sa vie, peut-être encore bien plus qu'une femme qui est maman.
différemment. Oui. Et là, c'est quelque chose qui peut l'accompagner justement dans son cœur, dans son âme, dans ce qu'elle va choisir de mettre en place dans sa vie. Alors, je vais encore juste dire quelque chose par rapport à cette danse. Je pense que l'origine de cette danse, c'était à la base une femme en Inde qui est rentrée dans son village et le village était entièrement détruit. Tout le village a été décimé. Et cette femme a hurlé la douleur de son cœur d'avoir la perte de tout ce qu'elle aimait, de tous ses proches, et de pouvoir entourer, à moins que ce soit juste son enfant, juste entre guillemets, hein, on est d'accord. Je ne sais plus, il faudrait que je me renseigne. Et là, les femmes autour d'elle ont fait cette danse pour l'entourer. Et je pense que, justement, dans ce rituel, c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement intense, parce que ça parle aussi de percevoir cette reliance avec toutes les femmes qui sont dans le deuil, dans le monde entier. Parce que dans la souffrance aussi de la femme qui n'a pas d'enfant, je parlais d'aimer, d'être aimée, il y a aussi l'appartenance. Oui. Et c'est une très très grande souffrance pour la femme qui n'a pas d'enfant, c'est ce manque d'appartenance. Et là, c'est une façon de pouvoir se relier à la douleur de tout être sur Terre et de créer comme une chaîne invisible de cette humanité qui émane de soi à partir du moment où on a vécu de la douleur. Alors ça peut être cette douleur-là au niveau du deuil d'enfant, ça peut être d'autres douleurs, d'autres deuils, mais la douleur crée vraiment le berceau de l'humanité, de son humanité intérieure. Vous parlez de... ça résonne beaucoup en moi quand vous parlez d'appartenance. Parce que oui, effectivement, c'est difficile pour les femmes sans enfants de pas pouvoir s'identifier ou savoir faire partie du groupe des mères. Mais je pense aussi, moi je réfléchis beaucoup sur l'aspect reconnaissance. J'explique où je veux aller avec ça. J'ai suivi une formation récemment sur le deuil périnatal. Et il y a relativement de plus en plus de structures pour soutenir les parents qui ont perdu un enfant. Soit en cours de grossesse, soit à l'accouchement. On en parle de plus en plus dans les médias. Il y a des ressources qui émergent. Et toutes ces ressources-là contribuent à rendre ce deuil-là reconnu ou plus concret et sorti d'une espèce de tabou. Et en assistant à cette formation-là, je me suis dit, ah ben tiens, le défi supplémentaire des femmes qui n'ont pas d'enfants, c'est qu'elles doivent faire le deuil du vide. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de tangible. Alors c'est, à mon avis, d'autant plus difficile pour les proches de comprendre ces femmes-là parce qu'elles font le deuil de quelque chose qui n'existe pas. Alors pour les gens, ben, on se dit, ben reviens-en, c'est fini, passe à autre chose. C'est pas aussi pire que si tu avais perdu un vrai enfant. Mais alors que pour ces femmes-là, ce deuil est vraiment est vrai, mais comme il n'est pas matérialisable, il me semble que ça complique d'autant plus la compréhension. Est-ce que ma vision de cela est juste selon vous? Absolument, absolument. C'est un deuil indicible, c'est un deuil invisible. Oui. Alors, c'est important, quand vous parlez là de ces groupes, si vous avez la possibilité de créer un ou des groupes pour les femmes qui souffrent de ne pas avoir d'enfants, tout mon cœur vous accompagne. C'est déjà fait. C'est déjà fait? Oui, c'est j'en vrai. Ai un à Montréal, un à Québec et un à Paris. Magnifique. Oui. Magnifique, magnifique. Et effectivement, c'est important là de voir comment, parce que vous parlez du vide, de qu'est-ce que le vide? En fait, le rôle de l'absence de l'enfant réel, dans le fond, qui nuirait, dans le fond, à l'espèce de reconnaissance de la validité de ce deuil-là par la société et par le fait même. Donc, c'est ça.
Donc, l'absence d'un enfant concret, réel, compliquerait la reconnaissance de l'entourage et du public sur la validité de ce deuil-là. Donc, si ma réflexion est un peu là-dessus. Je dirais que ce deuil-là parle aussi au niveau du ventre, cette sensation de vide dans le ventre, de creux dans le ventre, donc le ventre qui n'a pas pu s'arrondir, le ventre qui n'a pas pu contenir, accompagner, être traversé par la rencontre de cet enfant. Je parle toujours de ce creux-là, cet espace-là, ce vide-là dont vous parlez, est en réalité un espace d'abondance. Et c'est important, là, de le transformer, justement, de voir que ce creux est un espace d'abondance. Alors, c'est un creux au départ qui fait atrocement mal, comme effectivement un trou, une sensation de vide. Et puis, progressivement, il y a là quelque chose qui peut être comme tapissé, tapissé à l'intérieur d'une tendresse, d'une douceur, d'une humanité. Et cette tendresse, cette douceur, cette humanité peut alors être vraiment un accompagnement. Et c'est alors une sensation comme si cet enfant, que vous n'avez pas eu, est en réalité présent en vous. Ça a été l'enfant qui vous aura révélé à vous-même par sa non-venue. Il est là, cet enfant. Il est là. Depuis le moment où vous avez eu ce désir d'enfant, il a été là encore bien plus présent quand vous avez souffert de son absence, et il est là en permanence, encore, encore, encore. Et donc c'est important là de reconnaître justement sa présence invisible, sa présence indicible, sa présence réelle. Et bref, en terminant cette discussion que j'aimerais qu'il se prolonge pendant des heures, tellement c'est vraiment intéressant, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous conseillez aux femmes pour prendre soin d'elles demain, pour se préparer peut-être à vivre cette journée différemment. Est-ce que vous avez des stratégies concrètes, simples, qu'on pourrait suggérer à ces femmes-là pour prendre soin d'elles demain? Oui, de se faire un cadeau à elle-même, de se faire un cadeau pour elle en tant que maman. Maman d'elle-même, maman de cet enfant indicible, maman dans tout le côté maternel qu'elles peuvent avoir autour d'elles, maman de la nature, maman du papillon qui passe, de pouvoir se faire un cadeau. Et alors ce cadeau, ça peut être un cadeau matériel, quelque chose qui serait symbolique, quelque chose qui peut-être coûtera beaucoup d'argent, ou peut-être quelque chose qui ne coûte pas d'argent du tout, peu importe, mais quelque chose qui a du sens pour elle. Mais vraiment de s'offrir quelque chose. Ça peut être le fait d'aller se promener, ça peut être le fait de refuser d'aller à une fête de famille où elle ne se sentirait pas à leur place, ne pas se sentir reconnue dans leur douleur. Peut-être ce sera possible dans quelques années, peut-être déjà l'année prochaine, peut-être ça n'est pas possible cette année-ci. D'accepter ça, c'est légitime, cette douleur-là est légitime. Cette douleur-là a besoin d'être entendue. Cette douleur-là n'est pas entendue, c'est une violence que l'on se fait. Donc entendre cette douleur-là, l'accueillir, l'accompagner, la transformer, se faire un cadeau et se féliciter aussi de tout le courage que ça représente d'être dans ce cheminement-là. Absolument. Merci. En terminant, je veux prendre le temps de vous suggérer la lecture de deux ouvrages que moi j'ai dévorés. Évidemment, dévorer ces deux ouvrages-là en camping, dans ma tente, avec ma lampe frontale, en prenant des notes dans un petit calepin. Le premier, Épanoui,
avec ou sans enfant. Et le deuxième que je trouve aussi très aidant, c'est femmes qui n'ont pas d'enfants, la découverte d'une autre fécondité. J'aimerais vous, encore une fois, Isabelle, vous remercier. Je suis convaincue que cette conversation-là amènera un baume sur la vie des femmes qui vont traverser une autre fête des mères, j'espère un peu plus doucement, en paix. Et je souhaite qu'on se donne tout simplement en cette journée un peu de compassion envers nous-mêmes. Merci. Merci à vous, Catherine Emmanuelle. Merci de votre confiance. Merci.